Yop tout le monde, c'est Gotai, mais aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Ion pour une nouvelle vidéo. Je suis level 16 avec une rodeur et je suis avec Venusia, salut. Et ça va? Ouais, tranquille toi. On est tous les deux level 16, on se fait des petits persos. Aed et moi, rodeuse. Des meufs, oui, je sais pas pourquoi, parce que des meufs, voilà. Je sais, mon personnage est trop classe. Je ressemble trop vraiment à une rodeuse. Avec le... Ah, je trouve ça vrai, quoi. On sent que le mien, pour l'instant, il est encore un peu moche, mais... Ouais, il ressemble carrément à rien, mais... Donc, bon, je fais des petites vidéos sur Ion, comme ça, pour le fun, pour le... Enfin, pour... surtout pour me détendre, parce que... Voilà. En attendant la vidéo de Block Fortress. Là, nous sommes au village de... Bah, Tolbas, voilà, forêt de Tolbas. Et je vais vers la forêt des Colerites, parce qu'il y a un truc là-bas qui m'intrigue, et j'ai envie de voir ce que c'est. C'est une boîte au milieu du marais empoisonné. Et du coup ça m'intrigue et j'ai envie de voir ce que c'est. Bah... Ah merde, on peut pas voler ici, merde. Non, c'est pour ça qu'on a la pièce, c'est un peu long. Ouais. Tu vois c'est où que je veux dire? Ouais, je vois où. Genre en haut là, genre tu vois, on va suivre le marais et tout. Après on va tomber sur des espèces de vaseux, mais après il y a une autre zone avec encore plus de vaseux. Tiens, attaque la fleur là, avant qu'elle me tape. Regardez-moi ce skill. Ouais, je sais, j'ai cliqué un peu. Non, voilà. Regardez-moi, j'appelle ça avoir du skill, moi. Oh, une précision plus 14 dans le temps, quoi. Donc là, les mobs, ils aggro, donc faut faire gaffe. C'est pas qu'ils sont durs, c'est juste qu'ils sont chiants. Bah ici, comment dire, ici il y a un boss, c'est Tandria, ça je le gère solo. Non, ouais. Il me semble que son cadavre, il est là-bas. Vous voyez? Là, je me dirige vers son cadavre. Il a dû avoir du ménage ici. Hein? Il a dû avoir du ménage, il y a des cadavres partout. Ouais, bah oui. Attention, ça agresse. Alors, je devrais me faire Staracné parce que sinon elle va nous empêcher de passer. Ouais, une critique à 300, des conneries comme ça. Voilà. Ah, génial. Ah, c'est toi qui veux le piquer, ok. Ça sert à quoi, toi? Ça sert à rien? Si, si, c'est la maille, c'est pour moi. Ah, ok. Alors. Oh, qu'est-ce qu'il est moche, mon chapeau. Ah tiens, c'est vrai, faut que je récupère du... Fais voir ton chapeau. Ah bah, ça va, franchement. J'ai déjà vu pire. Hein. J'ai déjà vu pire. Donc voilà, il va falloir qu'on affronte tout plein de vaseux comme ça, mais ils sont juste en haut, en fait. Et au milieu, une espèce de boîte. Je sais pas ce que c'est. Voilà, ça commence déjà. Attention, ils attaquent de loin. Et en plus, ils empoisonnent. Donc, vaut mieux faire gaffe à ce qu'on... Parce qu'on bousille. Hein. Vaut mieux éviter de s'attaquer à plusieurs en même temps. D'ailleurs, parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Ouais, ça en fait vraiment mal. Ouais, surtout que ça empoisonne, donc ça fait des dégâts sur la durée. T'as besoin d'aide? C'est bon. Ah, J'en ai deux sur moi là. Ouais, attends, j'ai vu. Ah putain, j'en ai un dans le dos moi. Attends, je commence à faiblir celui-là moi. Help, ma vie à descendre. Ouf. Oh, c'est pas passé loin là. T'inquiète, utilise pas des bandages, je peux te soigner facilement. Ouf, c'est pas passé loin ça. Vas-y, encore un petit peu. J'ai deux sortes de régénération instantanée. Tu penses qu'on peut passer là? Ou on va se faire péter par les vases de là-bas?
Non, ouais, on peut passer. Ouais, c'est bon. La boîte suspecte. Apparemment, ça a l'air d'être un boss donc bien. Donc, par contre, deux secondes, je me suis bloqué. Je suis bloqué. Je fais que un dégât à une flèche, quoi. Donc, level, je sais pas combien. Donc, ça prend. Ça a pas l'air de marcher de mon côté. Ah voilà, je me suis débloqué, c'est bon, j'étais bloqué, vraiment. Oh, attends. Dégoûté. Pétante, c'est ça. Ça doit être une quête ou quelque chose comme ça qu'on peut pas y accéder pour l'instant. Autant en racheter un ou les plus en deux, lui. Ça sert à rien, c'est une bonne idée. Ah bah, ah, t'étais bloqué comme moi en fait. Ouais, c'est chiant ça. Ouais, on lui fait rien comme dégâts. Oh putain, c'est pas possible. A noter quand même que sur ce jeu on a de très beaux graphismes et un gameplay quand même assez... Ouais, assez ça va, bah, franchement pour un free to play je m'attendais pas à ça quoi. La plate, ça t'intéresse la plate ou pas toi déjà? Non, c'est pas pour moi. Montre-nous ta frappe météore si tu peux. Ouais, ok, ou un jugement. Ouf, putain. Attention, il y en a qui repop. Ça repop assez vite ici, je trouve. Ouais, ça repop, mais vraiment vite par contre. J'ai failli me faire aggro. Et maintenant, je vais vous montrer ce que c'est qu'avoir des belles ailes. Ah, elles sont vraiment classe ces ailes, je les adore. Ouais, regardez, c'est pas très simple, je vais les enlever. Regardez mes PV. Je passe à 1000 PV. Là, quand je les mets, je passe à 1300 PV. Donc, j'ai une quête à faire. Non, une mission, c'est quoi? De l'audio chez Tukaki. Ah oui, faudrait que j'aille. Faut qu'on aille à la mine là-bas. On y va? Écoute, c'est parti, je te suis. Mais je sais pas comment on y revient par contre. Bah attends, aide-moi à tuer des arachnées venimeuses, s'il te plaît. C'est pour une quête que je dois faire vite fait là. Je veux dire, c'est plus simple pour ce qui est de. J'ai encore un problème. Alors, frappe de flèche, de thérapie, pinage de pique, tir empêtrant, tir mortel, tir rapide, voilà. C'est pas possible, à chaque fois ça se vire. Parce qu'en fait il faut que je récupère. Tu les veux toi? Ouais, je vais prendre. Tiens, la fais gaffe là, ils sont trois. Attaque les petites, attaque la grosse. Tu prends pas tout ce qu'il y a dedans, c'est pas tu prends. Moi, tu me laisses voir. Il faut que je récupère des trucs. Voilà, échantillon de liquide contaminé. Il m'en faut encore 6 au fond, 6 arachnés. Donc il y en a une tout seul ici là. Ouais, attends, je la tire. J'en attire une. Attends, j'en attire une. De toute façon, les petites en un coup, ils meurent. Hein. Bah, tu les petites, tu prends la grosse.
Voilà, tu vois, les deux petits sont de la mort. L'attaquer sans souci. T'as vu la rafale qu'elle se prend? Ouais. Question rapidité, je crois que question rôdeur, il n'y a pas mieux en rapidité d'attaque. Ah, t'as pris les loots qu'il y avait dedans? Bah en fait, ouais, j'ai pris, mais... Moi j'ai pas la quête en fait encore. Donc, ah. Vous avez choisi une cible incorrecte. Cible incorrecte. Là, j'ai gâché mon tir en pétrant. C'est bien d'avoir un heal dans le truc. Oh, la critique 445. Ouais, donc bah en fait, ce que je vous conseille pour jouer à Ion, bah, c'est tout simplement, faites les, pour XP à Ion, faites tout simplement les quêtes. Parce que les quêtes, mine de rien, même si elles sont chiantes, longues et tout ce que vous voulez, c'est le plus rentable. Donc il manque plus que deux arachnées, là. Une petite qui vient me faire chier là. Allez, plus qu'un. Y a quoi de ce côté? Attends, il me semble que les plumas ils m'en donnent. Mais je suis pas sûr. S'ils en donnent. Ouais, s'ils en donnent. Bah faut que j'aille à l'épi aussi, il est juste pas très loin. Il est juste en haut de la colline. En fait la aide en fait, il est très utile parce que bah, primo il, vous voyez ma vie quasiment constamment pleine, et en plus il donne des buffs là, vous voyez au dessus de moi il y a plein de petits trucs, j'ai plein de trucs qui traînent au dessus là, je suis parti pour où, il y a plein de trucs là haut là, ça c'est normal, bénédiction de chose c'est lui, bénédiction de vitalité c'est lui, effet mantra de victoire c'est lui, effet mantra de bouclier c'est lui aussi. Encore pour l'instant c'est que je suis que niveau 16, mais au fur et à mesure des levels ça sera encore plus puissant les buffs, donc à la fin on va gagner un bonus de 100 de trucs. Ah putain, allez. Il me manque 20 000 points d'expérience à choper. Pour up niveau 17. Y'a pas un truc dans le coin en haut là? Non. Y a des vaseaux, on va éviter de s'approcher. Lol, t'as vu ce qu'il a l'arbre là? Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, j'avoue. Bon, moi je vais aller à Verteron parce que je sais pas comment on sort de cette forêt. Bon écoute, j'ai pas encore mon retour, donc je vais à la pied. Bah je sais pas du tout comment on sort, donc c'est pour ça que... Ah, et maintenant je vais pouvoir crâner un peu maintenant que je suis à Verteron, et regardez-moi ces ailes là. Oh, regardez-moi ces ailes, comment elles sont belles quoi. Regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ça quoi. Bah moi je peux y aller, j'essaie d'y aller en volant à ta place. Là je sais comment on y va donc... Il y a plein de petits vortex là, c'est sympa. Ça tu peux extraire de l'ether dedans. Mais ouais. Je sais pas si ça sert à quoi en fait. Je ne sais pas du tout non plus. Je suis un pigeon voyageur. Sauf que cette fois c'est moi le pigeon.
si j'ai encore plein de petites quêtes à faire là. Ah tiens. Ah on peut pas y aller en volant, ok. Ok donc bah je suis obligé d'y aller à pattes. Oh là, il a que ça à faire, le gars il passe devant moi en jet. En jet petit caillon. Level 65, le gars, je sais pas ce qu'il fait là. Ah tiens, c'est une rôdeuse aussi. Donc. Tiens, il y a deux petites quêtes ici, je vais voir ce que ça donne. Belle journée, non? Non, je vais pas être sur cette quête là. Oui, voilà, c'est un gros 10. Votre jeunesse ne sera pas éternelle. Alors, vite, pas ça. Non, c'est chiquette. T'es au village toi? Pas encore, je suis juste en train de battre des collerettes. Ah. T'as trouvé le truc ou pas là? Le chemin pour revenir. Oh, il est pas compliqué. Moi je trouve pas, donc je préfère venir comme ça. De toute façon, au pire des cas, dans 30 secondes, j'ai mon retour. Ouais. Alors, Crotis, il est où? Je trouve que le temps de recharge de retour il devrait diminuer. Ouais, parce que sûr ça fait un petit peu long. 20 minutes, ouais. Surtout que les quêtes c'est souvent des gros allers-retours qu'on va faire aussi. Ouais, ah ça y est, je viens de trouver Crotis. Une quête, je dois livrer une mandragore. Bienvenue, Deva. Je suis aussi pour ça mes boules qui est. Voilà. Donc. Bah je t'attends au village, vas-y. Moi j'y suis. T'es au village? Ouais. Attends, je vais me clinquer à l'obélisque d'ici. Bah vas-y, tu viens ou pas? T'es où? Je suis là, je vois. Je te vois pas. Je te vois, tu viens de descendre. T'es où toi? Je te vois pas. Attends, ne bouge pas. J'arrive sur ta droite. Ah ok, ouais, c'est bon, je te vois. Hop, allez, on va aller dire bonjour aux mobs qu'on a croisés au début de l'aventure, c'est-à-dire les Dukaki. Mais sauf que là, les Dukaki, ils sont beaucoup, beaucoup plus durs que ceux qu'on croise à la carrière du début. Pour le coup, ils sont vraiment durs, hein, parce qu'il y a des brailleurs, il y a des contremaîtres à tous les coins. Et là, il faut juste tuer les mineurs. En plus, il y a des Dukaki qui... Dès qu'on tape un autre, ils vont venir à 3-4 sur nous. C'est... J'ai plusieurs quêtes à faire là-bas, donc du coup, on va arriver à ouais. Lol, on dirait qu'elle a été empoisonnée à l'atterrissée, je sais pas si t'as vu. Regarde. T'as vu la tonne de flèches qui se prend? Ouais. Donc bah là faut que je tue tout ce qui est mineur, faut que je tue les mineurs. Bah donc pour tuer les mineurs, faut se débarrasser d'abord de tout le reste. Oh, petit level up. Alors,
le mineur du kaki là-bas. Vous n'avez plus de cible. Je sais pas, on est tout seul. Tu bagarreur, s'il te plaît. Pendant que je m'occupe de ce. Je t'ai vu arriver sur toi. Merci. T'as eu la. T'as chopé la quête ou pas? La quête, ouais. Ah, ça, tu m'as donné. Donc là-bas, il y a encore 2-3 mineurs. Ouais. Donc attends. Je prends celui qui est là-bas, non? Je prends le tâche. D'accord. Rodeur, c'est sympa parce que du coup on est polyvalent en fait. C'est on a un qui cogne, moi je cogne relativement fort. Moi, faut dire la chose telle qu'elle est. Faut venir t'aider, t'es pas. Je dis juste ce mineur. La aide au début est vraiment un peu chiante niveau sort parce que c'est vrai qu'elle a pas trop de sorts d'attaque. D'avoir tous les buffs au début. Oh. Donc moi il me reste plus que tu attaques le tâcheron ou le mineur comme tu veux. Le mineur, ok. Votre cible a disparu. Donc, hop. Toi, t'as pas pris la quête encore de l'étau? Si, je suis à 409. Ok, bah attends. Je prends le bagarreur, va attaquer le mineur qui se trouve là-bas. Ah, t'as vu cette puissance que je dégage? Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde ici. Ouais. Et en plus, XP, il est pas dégueulasse, l'XP, quoi, en plus. C'est-à-dire, si on fait un bashing ici, ça passe crème, quoi. Là, un critique à 420. Encore un critique. J'attire le truc. Tiens, viens, t'as un mineur ici. Oh oh. C'est pour toi le mineur. Vas-y, finis-le parce que j'attaque un monstre qui t'attaquait par derrière. Ah ouais, c'est vrai, au pire, on est en groupe. Voilà, les quêtes de groupe, ils se font en groupe, donc ça aussi, ça... Ça, c'est pour toi, ça. Ah, j'ai obtenu un truc pour toi, là. Attends, de bouger. Yeah. Alors, ça... Non, c'est pas ça. Merde, excuse-moi, tant pis, tu les prendras. Ça, oui. Ça t'intéresse, ça. Il est pas mal. Un petit coup de heal, s'il te plaît. Ça me dit que je suis un peu tranquille. Même si je suis quasiment fou. Ah tiens, là il y a du mineur en bas. Vous êtes trop loin de votre cible. Oh putain, oh, j'ai failli me faire aggro. Encore un mineur à battre et c'est bon. Cette cible n'est pas valide. Comment se faire des kinas, quoi? Tu viens ici, tiens un mineur en bas. Oh putain, il a rien compris ce qui lui est arrivé, quoi.
Oh oh, hé. Lâche-moi la grappe, toi. Oi. Oh, stunt. Secours. Ah, je me casse. Il y a un gars qui m'a invité en cohorte là. Je dis non. On bouge pas, on va faire un peu de film. Et toi, c'est bon? Ouais. C'est bon. Thank you. Vous avez choisi une cible incorrecte. Bah, let's go. T'as fini les mineurs? Non, tout. On va voir les taux. J'ai dit non. Aïe. C'est toi, tu veux jouer au... à l'archer avec moi, t'es sérieux? Tu veux jouer au plus doué avec moi? Hop, allez go. Il veut m'inviter encore, je dis non, je sais pas pourquoi. On est du bon côté? On est du bon côté. On a juste à descendre la pente, aller au village et puis c'est bon. Moi j'ai jamais compris à quoi ça sert l'énergie de repos puissante. Ça, c'est une barre qui apparaît, je sais pas quoi. Apparemment. J'ai pas compris, j'ai pas du tout compris. Si vous avez, dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi personnellement, je ne sais mais strictement. C'est toi qui as eu une pierre de mana ancienne plus 32 là? Moi? Putain, tranquille, tu te la mets là, t'es. Ton tourment, tu vas arriver. Là. Il va pleurer avec un face de toi. Attends, là ça fait à peu près combien de temps qu'on est en vidéo? Ariel Oma, bienvenue à Tolbas. Attends. Trouvez les chaudrons d'odium dans le territoire des Dukakis et neutralisez l'odium qu'ils contiennent. Ah ok, faut détruire tout l'odium. Putain, génial. Bah je pense que je vais... comment dire... On va s'arrêter ici. Où est-ce qu'il faut aller là? J'ai pas compris. On pourrait aller chez les Dukakis, encore. Ok. Donc je pense qu'on va faire une pause tout de suite là et je vais reprendre directement afin que les épisodes ne soient pas trop longs. Donc bah les deux épisodes seront tournés à la suite naturellement, donc je pourrais pas tenir compte de vos commentaires, mais pour le troisième je dois mettre 1, 2, 3, je tiendrai compte de vos commentaires, excusez-moi. Bon bah sur ce je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien d'ici là et ciao tout le monde. Ciao.